Je me suis maquillée, d'ailleurs j'ai mis un petit soin dans mes cheveux, c'est pour ça qu'ils paraissent un peu gras, c'est normal, vous allez me voir comme ça toute la journée, je suis désolée. Du coup là je vais lire la Bible, je suis en train de lire le livre des actes, pardon, et je vous dirai juste après avoir lu la Bible ce qu'on va faire dans la journée, etc. pour cette journée, pour Seigneur Jésus. Bref, je vous retrouve juste après avoir lu. Verset 22, Paul, il nous dit, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Et en fait, je vais vous poser, attendez. C'est pour ça qu'il y a peu de chrétiens, ou que beaucoup de chrétiens s'éloignent de du plan de Dieu, tout simplement parce que c'est très très dur d'être chrétien, parce que c'est pas tout beau tout rose, la vie chrétienne n'est pas tout beau tout rose. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, ça se saurait. Et beaucoup plus de personnes se convertiraient et choisiraient de suivre Christ, en fait. Mais en fait, il faut passer par des épreuves, par des moments difficiles, pour ensuite rejoindre le royaume de Dieu. Et c'est normal, parce que même Jésus sur terre est passé par des moments critiques. Il n'est jamais tombé, par contre. Jésus n'est jamais tombé. Il a toujours réussi à vaincre le péché. C'est normal, c'est Dieu. Mais il était homme sur cette terre, vous voyez. Il était homme. Cependant, il n'a jamais péché et c'est pour ça que nous aussi, nous devons prendre exemple sur lui. Prendre exemple sur Jésus et aussi sur Paul et Barnabas qui, eux, dans le livre des Actes, allaient de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle sans avoir peur. Et au bout d'un moment, Paul, il était presque mort. Il s'en fichait, hein. Il s'en fichait et continue à parler de la parole de Dieu. Il s'en fichait, lui. Et lui est presque mort, on s'en fout. Enfin, il s'en fout. Il y va, il n'a pas peur. Et vraiment, c'est un exemple. Et c'est pour ça que j'ai envie, en ce moment, de plus en plus à parler de la parole de Dieu. Malheureusement, je ne suis pas en France. Mais je n'ai pas envie que ça soit une barrière. Du coup, je suis en train de chercher vraiment des boutiques chrétiennes roumaines pour pouvoir acheter des espèces de traités. Vous savez, des traités, des petits livrets qu'on peut partager à des gens qu'on croise, etc. Des gens dans la rue, etc. Et j'ai envie de faire la même. J'ai vraiment envie de faire comme Jésus, comme Paul et tout, et partager la bonne nouvelle. Et ouais, et j'ai pas envie d'avoir peur qu'on me juge. J'ai pas envie d'avoir peur qu'on me... Parce que ici en Roumanie, c'est un pays chrétien. On va pas se mentir, c'est un pays chrétien. Ils sont très religieux, plus qu'en France. Vous voyez, ils sont plus qu'en France. Ils sont très religieux ici. Donc je devrais encore moins avoir peur, vous voyez. Et c'est pour ça que ça me met plus en confiance de parler de Dieu. Parce que ici, j'ai beaucoup parlé de Jésus. Notamment parce que je prends le taxi. Bon, je raconte un petit peu ma vie. Je prends le taxi ici pour aller au travail parce que ici déjà ça coûte pas cher. On est en Roumanie, hein, donc voilà. Et du coup, le nombre de fois où j'ai pu parler de Jésus au taxi, au chauffeur de taxi, parce qu'il y en a beaucoup ici des taxis, j'aurais bien aimé donner un petit traité, vous voyez. Et à chaque fois, je suis tombée sur des chrétiens. Voilà. Et donc, du coup, ça fait du bien de parler de Dieu, quoi. Et donc, annoncer la bonne nouvelle.
comme il est écrit dans l'Évangile. Bref, voilà, c'était ma petite pensée du jour dans ce chapitre 14 du livre des Actes. Ok, du coup, je vais vous dire le planning du jour, parce que là, on est dimanche. Du coup, qui dit dimanche dit la journée parfaite pour le Seigneur, quoi. Bref, du coup, aujourd'hui, là déjà, dans une heure, il y a le culte de l'église MLK en ligne. Oula, tout se casse la lunette. Ensuite, je dois faire mon montage vidéo. En fait, je passe plus de temps à regarder des TikTok, parce que depuis la vidéo qu'elle a sortie, Leïla, où vraiment, je me suis rendu compte que vraiment TikTok, les stories Instagram et tout, ça nous bousiller notre temps. Au lieu de faire des trucs, voilà, pour le Seigneur ou même pour nous-mêmes, hein, ben on passe du temps à regarder la vie des autres. Et oui, les autres, voilà, sont notre semblable, etc. Mais pourquoi perdre du temps alors que tu pourrais faire des trucs que tu voulais faire depuis si longtemps? Mais en fait, non, tu passes ton temps à regarder des trucs qui sont inutiles comme TikTok, etc. C'est pour ça que moi, je préfère créer du contenu sur TikTok que consommer TikTok. Je sais pas si vous voyez la petite nuance. Bref, là il est 10h passées. Je pense que je vais commencer à créer les sur Canva les quiz pour cet après-midi que je vais mettre sur mon Instagram, parce que j'aime bien faire des petits quiz bibliques. Voilà, je vois que ça intéresse beaucoup, que les gens participent et tout, donc je suis trop contente. Donc je vais faire ça. Et après cet après-midi, je vais tourner, je vais monter. Et si vous voyez pas mon mari, c'est normal, là il est en train de dormir parce qu'il a un vol en fait aujourd'hui, il vole toute la journée. Bon, il part à midi là et il va à Abu Dhabi, donc c'est loin, c'est loin, c'est loin. Si vous voyez pas où c'est en Arabie Saoudite. Je crois que c'est le vol le plus loin qu'il peut faire. Et justement, si vous voyez pas trop dans mes vidéos, c'est normal parce qu'en fait, je profite qu'il soit pas là pour filmer, pour être, parce que j'ai pas envie de trop l'exposer non plus. Bah, et c'est normal, j'ai envie de respecter aussi son choix parce qu'il a pas trop envie d'être sur les vidéos, donc c'est normal, je respecte totalement. Et du coup, voilà quoi, cessons de parler. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Culte est fini, et pendant le culte aussi, vu que je suis chez moi, j'ai pu faire. Là, il est midi, bientôt 45. Du coup, je vais manger. Il m'avait préparé la dernière fois des pâtes tagliatelle avec au saumon, donc du coup, je mangeais ça. Trop bon. Et pour le dessert, ce sera pas le crumble aux pommes, mais ce sera un tiramisu. On a acheté, vous savez, les tiramisu déjà tout faits. Tout préparé et tout au Carrefour, du coup j'ai mangé ça. Et je pense que là, cet après-midi je vais aller au petit Carrefour qui a ouvert enfin. Il y a le Carrefour qui a ouvert en bas de chez nous. Si vous avez vu mon vlog qui dure 20 minutes et quelques, où c'est un week-end chill, etc. Je vous disais à quel point on avait trop hâte que le Carrefour ait rentré. Je crois que je l'avais laissé dans le vlog, je sais plus, bref. Et du coup je pense que je vais acheter aussi le pain, 40 centimes le pain. La mie, elle est tellement douce. Trop bonne, bref, et donc voilà. Et je dois sortir aussi les poubelles aussi, ça ne change pas, les poubelles ici tout le temps avec nous, avec Anthony, qu'on cuisine tout le temps. Bref, je vais manger devant une petite vidéo sur YouTube et je vous laisse ensuite avec le reste de la journée. Du coup c'est bon, j'ai fini de filmer la vidéo de Crush and Tag, et si vous voulez les questions je les mettrai en barre d'infos bien sûr, comme ça vous pourrez les copier-coller. Si vous voulez faire la vidéo, les faire sur votre chaîne YouTube ou sur votre réseau social. Du coup là il fait très très beau, par contre je vais enlever mon pull, j'ai très chaud ici là dans l'appartement, il fait 26 degrés, voilà 26 degrés, je suis folle, je porte un pull. Du coup je vais faire mes petits TikTok, j'aimerais en faire 4. Donc je vais m'inspirer de ma vie de tous les jours quand je vais faire mes TikTok, voilà. Après je pense que je vais mettre en story du coup le quiz. Et après je vais sortir un petit peu me promener, voilà. Les gars je suis grave déter, je suis grave déter. J'ai fait 13 TikTok pour mon TikTok chrétien. Et je suis trop contente parce que je pense que ça peut inspirer et faire rigoler les frères et sœurs en Christ et tout. Je suis trop contente pour la grâce de Dieu, franchement. Là j'ai vraiment l'inspiration, d'habitude je galère un peu pour trouver des idées sur TikTok. Mais là...
Là, je charbonne 13 TikTok et je pense que je peux en faire d'autres. Tant que c'est focus sur Christ, voilà, parce que les journées aujourd'hui, c'est vraiment journée pour le Seigneur. Ce soir, je vais lire Genèse. Là, on dirait qu'il va faire nuit. Mais pas du tout. Il est que... même pas 15h. Il est même pas encore 15h. Du coup, voilà, je suis trop trop contente. Faudrait que je commence le montage un jour ou l'autre. Mais ça va. Il est tôt encore. Donc, je suis contente. Très contente. Attendez. Regardez juste le bazar. Parce qu'à chaque fois, je me change quand même. Parce que, bon, voilà. Parce que j'aime bien changer de tenue entre... pas entre chaque TikTok. Faut pas abuser non plus. Mais entre 4-5 TikTok, ouais. Bon, j'ai déposé mes poubelles, du coup je vais pouvoir aller à Carrefour qui est en bas de chez moi, et là toujours en chantier, hein, si vous avez vu mon vlog vous savez, et je vais aller chercher du pain. Vas-y, va. J'ai trouvé ma petite baguette. Ma petite baguette française. 40 centimes, s'il vous plaît, 40 centimes. Et du coup, je vous ai jamais vraiment montré mon quartier, ma résidence de jour. Toujours de nuit, je vous ai montré. Dans mes vlogs, c'est vrai. Moi, j'habite là-haut, tout là-haut. Dernier étage. J'ai payé ma petite baguette 40 centimes. Franchement, c'est pas cher. Là, c'est en lei, donc c'est pas en euros. Mais on dirait vraiment une petite baguette française et tout, genre trop bien. Et je sais pas, c'est trop bizarre, genre le mec de la sécurité m'a demandé si je voulais quelque chose en particulier, genre un article spécifique. Je dis ah bah non, c'est bon, merci. Genre en mode je dérange. Non, pas moi je dérange, mais trop bizarre, genre, bah laisse-moi faire mes courses. Je sais pas, peut-être que c'est y a que moi qui pense bizarrement, mais je sais pas. Genre il soupçonnait pas que je voulais ou je sais pas quoi, non mais je sais pas. Parce qu'il y avait personne, donc il s'est dit vas-y, je voulais faire la discussion. Mais non, j'aime pas, moi, quand même, parler. Laisse-moi tranquille. Bref. Ok, du coup, là, il va être 16h. Je vais commencer à faire le montage d'une de mes vidéos pour la semaine prochaine. Parce que là, on est dimanche, donc du coup, je fais la vidéo. Je monte la vidéo pour dimanche prochain, plutôt. Du coup, voilà, c'est parti, mon kiki. Vidéo pour le Seigneur. J'aime beaucoup cette vidéo que je vais sortir, donc. Je pense qu'elle va te parler aussi si tu es impatient comme moi. Si tu as un problème avec la patience, etc. Je pense que cette vidéo, elle pourrait grave t'intéresser, donc... Let's watch it. Ok, j'ai fini de faire ce qu'on appelle les cuts. Donc c'est tout coupé, les blancs, etc. Là je prends une petite pause goûter quand même. Un peu de quand même. Et je prends un petit gâteau là que j'ai acheté à Carrefour. Il faut que je vous montre. Ah mais oui, mais j'avais fait du crumble. Mais j'avais envie de goûter mon gâteau. Attendez, je vais vous montrer quand même le gâteau que j'avais acheté hier. Attendez. Waouh, regardez ce golden hour genre. Petit pot de Nutella en plus en arrière-plan, j'adore. Attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Je sais pas ce que c'est, jamais goûté. Mais oh là 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 là, ça a l'air bon ça. Il en fait quoi? Cacao et... pépites de chocolat, je présume. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Au pire, quand on ne sait pas, on goûte aux deux quoi. Bon, j'ai la chance de vivre que avec mon mari. Non, ça se fait pas. J'ai vécu dans une famille où on était 5. Et du coup, je vais prendre quand même une assiette. C'est bon, j'ai pris ma petite assiette. On va prendre ce petit truc, cette petite spatule, et on va se servir. Donc j'ai pris une petite part de ce gâteau-là, et une petite part de mon gâteau. On va goûter. D'abord, je vais me servir un petit verre de lait, parce que la base... Ok, il est 19h. J'ai préparé ma gamelle, si je puis dire ça comme ça, pour demain, pour le travail. Parce que demain, bah, c'est la rentrée. Pas du tout, c'est pas la rentrée, c'est lundi. Bref, du coup, je préparais ma gamelle. Anthony, il a fait déjà des saucisses et tout, avec du riz. C'est nice. Et je vais me faire le petit crumble dans un petit tupperware. Voilà, et j'ai pas faim tout de suite. Ah, oh, je vais me faire des ramen. Je vais me faire des ramen et voilà. Ah, je suis trop contente. Merci Seigneur, j'ai le cœur en joie. Parce que je mange des ramen, je suis trop contente. Ça y est, je suis trop contente. Première vidéo finie, exportée, tout ça là en train de s'exporter. Je vais faire la miniature. Vraiment, je suis trop reconnaissante, merci Seigneur. Et en plus, ce que j'aime trop quand je fais le montage de mes vidéos,
Vraiment, il n'y a que les youtubeurs chrétiens qui savent et tout. Mais genre, quand tu fais une vidéo et tout, bah, tu réécoutes ce que tu dis. Et t'es là, ah ouais, c'est vrai, amen. Et donc, du coup, en fait, tu t'apprends à toi-même ce que tu as dit dans ta vidéo. Genre, c'est trop bien et ça édifie, mais tellement. Et je suis trop reconnaissante au Seigneur, vraiment, de pouvoir faire des vidéos, vraiment. J'aime trop ce que je fais, j'aime trop, 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 trop. Je suis actuellement en train de préparer l'un de mes plats préférés. Ramen, les fameuses, avec un steak haché, la base. La base quand t'as pas envie de cuisiner. J'ai pris ma douche, j'ai fini de manger et là je vais regarder un petit drama que je regarde sur YouTube, sur Netflix, un drama coréen. Et là je viens de recevoir un message de mon mari qui me dit il y a de la fumée dans l'avion, on doit rester à Abu Dhabi. Reste là-bas, reprends pas l'avion parce que j'ai pas envie que tu meurs en plein vol. Voilà. Et donc du coup, j'espère que ça va bien se passer pour lui et que même s'il doit rester une nuit là-bas, qu'au moins il soit en sécurité, quoi. Sans promis, du coup, voilà. Désolée, j'ai encore oublié de clôturer cette vidéo. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, c'est la Jade du montage. Bref, moi et mon nez pris, on n'en peut plus. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et mon linge qui est en train de sécher. Yes, ça, c'est la réalité.